Nous allons accueillir maintenant Maria De Vos, directrice du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, Yves Foulon, député-maire d'Arcachon, Alain Vivien, directeur d'Arcachon Expansion et Nicolas Martin, directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux. On les applaudit. Bonjour, monsieur Vivien. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup à tous donc, de nous avoir rejoints pour évoquer l'enchantement du client. Le bassin d'Arcachon, bijou naturel, écrin naturel, car lui-même contient un autre bijou, c'est la dune du Pilat. Sur la dune du Pilat comme sur le bassin, bien sûr, Isabelle, beaucoup d'images. Oui, l'objectif pour cette année 2015, on nous a dit il faut du contenu et du contenu. Je pense que les gens qui nous ont enseigné ça sont dans la salle, vont se reconnaître. Donc le CIBA a mis en place pour cette année 6 vidéos promotionnelles sur différentes thématiques. On va les découvrir tout au long de la matinée. La première thématique, la diversité de nos espaces naturels, pour ensuite arriver à la dune du Pilat. Voilà, place à l'image. Place à l'image. Alors, bien sûr, l'ensemble des vidéos que nous allons vous présenter ce matin sont accessibles et libres pour tous les professionnels, dès lundi sur l'espace pro du CIBA, bassin-arcachon.com. Vous l'avez à l'écran, la petite masse allume, c'est en haut à droite, l'espace pro. Voilà, vous l'utilisez à volonté, elles sont faites pour vous. Plus vous utiliserez les supports de la destination, mieux on parlera de la destination avec une image voulue par nous tous. Alors, au-delà de ces belles images, Maria, tous les institutionnels du tourisme en France nous envient. Voilà, quand on arrive, on se présente du bassin d'Arcachon, ils nous disent « Ah oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir sur son territoire un site tel la dune du Pilat qui accueille presque 2 millions de visiteurs. » Alors Maria, tu es la directrice du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Qui sont ces presque 2 millions de visiteurs? Est-ce qu'on sait qui ils sont? Oui, on a une petite idée maintenant de ce public. Effectivement, près de 2 millions de visiteurs viennent chaque année fouler le sable de la plus grande dune d'Europe, dont un quart sur le seul mois d'août. Mais il y a également 600 000 visiteurs qui viennent en dehors de la saison touristique. Donc, on vient un petit peu du monde entier. On parlait de désir, d'envie, de rêve précédemment. Il faut savoir que 75% des visiteurs viennent simplement parce qu'ils ont entendu parler de la dune du Pilat,
par des amis, par de la famille, ou parce qu'ils ont vu quelques images qui a suggéré l'envie de venir sur le site. 30% de ces visiteurs sont des Aquitains, donc ils sont assez nombreux, mais on vient également du monde entier et de toute la France, même des régions les plus éloignées. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau du syndicat mixte pour, on a parlé, on est là dans la chronique, comment améliorer l'accueil. Que fait-on pour améliorer l'accueil de ces presque 2 millions de visiteurs? Alors d'abord, pour bien accueillir des visiteurs, il faut bien les connaître. Ça aussi, ça a été évoqué précédemment. C'est pourquoi nous nous sommes employés à mener une étude de fréquentation en 2013-2014 avec 12 mois consécutifs d'enquête. Et l'objectif de cette étude était de mesurer l'évolution de la fréquentation du site. L'étude précédente datée de 2003, donc avait une dizaine d'années. Et également de mieux connaître le profil des visiteurs, leur comportement sur le site et sur le territoire et également leurs attentes pour pouvoir mieux y répondre et éventuellement adapter l'action publique puisque depuis 2008, le site de la Dune du Pilat bénéficie d'une gestion publique qui vise à préserver des espaces naturels tout en les valorisant d'un point de vue touristique dans le cadre d'une politique nationale qui est portée par le ministère de l'Environnement. Donc aujourd'hui, nous connaissons bien nos visiteurs et ce qui ressort de cette étude, quel que soit le profil du touriste, quelles que soient les conditions de sa visite, j'ai évoqué une venue assez conséquente en dehors de la saison touristique, donc on peut venir par mauvais temps, sans qu'il y ait l'escalier, mais quelles que soient ces conditions, ce qui ressort, c'est l'émotion. L'émotion ressentie face à la beauté de ces lieux, à la découverte de cette particularité sur le littoral aquitain, c'est vraiment cette émotion qui est très forte. 99% des visiteurs sont satisfaits de leur visite, 58% très satisfaits. Alors c'est très bien, mais du coup ça met la barre très très haut, parce que pour nous, notamment acteurs publics, ça nous oblige à avoir des prestations qui soient à la hauteur de cette émotion. Puisque le but, c'est que cette émotion, elle perdure sur le territoire le plus longtemps possible. C'est-à-dire que cette émotion, elle ne soit pas très forte, mais qu'elle s'arrête au pied de la dune, mais qu'elle continue pendant toute la durée de leur séjour sur le bassin d'Arcachon. Maria, est-ce qu'on connaît le poids économique de la dune du Pilat? Parce que là, c'est assez nouveau comme discours, mais on essaye aussi de savoir quel est le poids économique, les retombées économiques sur un territoire, par exemple la dune. Est-ce qu'on connaît ce poids économique? Alors, on devinait qu'elles étaient importantes et positives, mais elles n'avaient réellement jamais été évaluées. Donc, en complément de l'étude de fréquentation, nous avons mené une évaluation des retombées socio-économiques. Et curieusement, le site de la Dune du Pilat n'est pas perçu par les acteurs touristiques du territoire comme une composante essentielle de l'attractivité du bassin d'Arcachon. Or, c'est une véritable locomotive, un poids lourd, puisqu'elle représente entre 11 et 13% de retombées directes, donc vraiment sur le secteur sud-bassin et même le périmètre presque de gestion du syndicat mixte, et 168 millions de retombées indirectes à l'échelle du bassin d'Arcachon, de la Gironde et de l'Aquitaine. Ça représente à peu près 960 emplois à temps plein et 4000 nuitées, dont 60% sur le bassin d'Arcachon. Donc, on peut dire que ces espaces naturels et la protection dont ils font l'objet, qui est parfois vécue comme une contrainte par les acteurs touristiques, parce qu'effectivement c'est toujours un peu plus compliqué en site classé, et bien est un réel atout. Cette gestion publique exigeante sert l'intérêt général, certes, mais elle bénéficie aussi aux acteurs touristiques du territoire. Alors, juste un point, vous avez dans la petite poche qui vous a été remise ce matin... Vous avez un nouveau document que nous venons d'éditer qui s'appelle l'ABC du bassin, qui nous a été demandé par les pros, pour les pros. C'est juste, c'est absolument pas pour la clientèle touristique, c'est uniquement pour les agents de l'ensemble de vos établissements. Et justement, à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les informations pratiques, tous les bons conseils, les bons plans pour inciter le visiteur à se rendre à la dune du Pilat. Entre autres, dans les bons plans, il y a forcément en haute saison, Maria, on insiste beaucoup là-dessus, inciter les visiteurs à se rendre à la dune en transport collectif avec les systèmes Baya pour 1 euro, avec toutes les heures un relais sur le sud-bassin, pour éviter justement une insatisfaction lorsqu'en très haute saison, le parking de la dune est relativement
complet, puisqu'il faut quand même savoir que c'est des journées à 10 000 personnes sur la dune en haute saison. 10 000 personnes, c'est presque l'équivalent de la ville d'Arcachon. On est à 12 000 sur Arcachon. Donc voilà, sur 10 000, on a 10 000 personnes sur une journée sur la dune. Donc voilà, je vous conseille de bien lire cette partie sur la dune, il y a vraiment de bons conseils. Oui, hélas, oserais-je dire, 90% des visiteurs aujourd'hui empruntent leur véhicule personnel, alors que le site est particulièrement bien desservi par le réseau de pistes cyclables et également par les bus Baïa. Il y a un arrêt de bus juste à l'entrée du site. Donc j'encourage tous les acteurs du tourisme, tous les hébergeurs à inviter leurs clients à venir sur le site, non pas avec leur voiture, mais en utilisant ces modes de transport. Ça Merci fait partie de l'enchantement du client. Merci, Maria De Vos. Mesdames, Messieurs, une idée est en train de faire son chemin. L'acquis, l'existant, ce sur quoi déjà on peut compter est capital pour le futur. Idée défendue tout d'abord par Grégory, idée également que vous venez de reposer au centre du bassin d'Arcachon en expliquant que la dune du Pilat, même pour les professionnels du tourisme, n'est pas nécessairement considérée comme l'une des grandes locomotives de la région. 12 à 13% de l'économie touristique générée directement par la dune du Pilat, très important. Donc nous avons un anneau d'or, le bassin d'Arcachon, serti, ou plutôt avec en son centre un joyau, la dune du Pilat. Et puis ce bassin d'Arcachon est situé juste à côté de l'agglomération bordelaise. Question, entre le bassin et Bordeaux, y a-t-il un intérêt commun si fort qu'il devrait en principe avoir une politique commune? C'est la question que nous allons poser au directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux. Nicolas Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Comment, selon vous, se manifeste l'intérêt de cet attelage entre le bassin d'Arcachon, d'un côté, et Bordeaux, de l'autre? Pardon. Bonjour à tous. J'ai la chance dans mon métier de voyager assez régulièrement, et notamment dans des pays lointains. Et on a une chance extraordinaire, c'est quand je prononce le mot Bordeaux en général, à des Américains, à des Chinois, à des Portugais, des Brésiliens, à des Japonais, ils ont tout de suite les yeux qui brillent. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui font cet effet-là. N'importe qui dans le monde, vous dites Bordeaux, les yeux ont les yeux qui brillent. Après, ça se complique, parce qu'après, je leur demande, pour eux, qu'est-ce que c'est Bordeaux? Ils me disent, c'est le vin. Alors, c'est très bien, hein, c'est même évidemment pour ça que Bordeaux est connu, mais si je leur demande d'avoir une représentation mentale de la ville de Bordeaux et de la région de Bordeaux, ils n'en ont absolument aucune, ils ne savent absolument pas que Bordeaux est une ville en général. Donc, on a un capital sympathie et notoriété qui est immense. On est probablement, après Paris, la marque française la plus puissante à l'international dans le monde. Mais on a cette problématique de dire d'abord, ils n'ont pas nous placer sur la carte. Et ensuite, pas de représentation mentale de Bordeaux et de ce qu'il y a autour de Bordeaux. On n'a pas, contrairement par exemple à la ville de Florence en Italie, qui a la Toscane autour. Nous, autour de Bordeaux, on a une région qui n'est pas connue, qui s'appelle la Gironde, l'Aquitaine, on peut l'appeler comme on veut. Ce terme, pour le coup, ne fait briller les yeux de personne, il est complètement inconnu. Donc nous, quand on parle de Bordeaux et quand on veut vendre Bordeaux sur des marchés lointains, ben on va vendre un certain nombre de marques qui sont autour de nous. On va parler de cognac. Tiens, là, les yeux brillent. Là aussi, on voit les gens qui commencent à sourire. On va parler de Biarritz. Là aussi, on va voir dans certains pays que ça réagit. On va parler de Sarlat, on va parler de Lascaux. Et on va parler de Saint-Émilion. Et on voit que ça, c'est un portefeuille de marque internationale et que ça fait réagir les gens. Et puis, on va parler du bassin d'Arcachon. Alors, quand on va très très loin, le bassin d'Arcachon, il n'est pas très très connu. En revanche, quand on montre une belle photo de la dune du Pilat, des cabanes Chanquet, là on les voit vraiment, les yeux qui brillent. Donc nous, notre stratégie résolument à l'international, c'est de vendre Bordeaux et son portefeuille de marques internationales qui sont autour de Bordeaux. Donc on vend Arcachon, Saint-Émilion, mais on vend aussi Cognac, Biarritz et Saint-Émilion, pourquoi pas La Rochelle. On ne s'encombre pas du fait d'abord des limites administratives, ça fait longtemps qu'on s'en affranchit. Mais encore plus maintenant, on est vraiment dans cette logique-là. Ce qui est bon pour nos voisins est bon pour Bordeaux, parce que moi, quand je parle de Bordeaux en montrant une belle photo de la dune du Pilat, ben je vends Bordeaux aussi. Et je vends Bordeaux, mais je vends le grand Bordeaux. C'est-à-dire, je vends le fait, on parlait tout à l'heure, d'allonger la durée du séjour. Ben je vends le fait de dire à Bordeaux, quand vous venez à Bordeaux, vous venez pas uniquement pour découvrir une des plus belles villes d'Europe, mais vous venez effectivement pour passer plusieurs jours, pour avoir aussi l'occasion de découvrir tous ces territoires environnants. Je vais vous donner un exemple. Nous avons créé cette année, on n'était pas en avance, puisque ça existe dans la plupart des grandes métropoles européennes, on a créé un City Pass, qui est une carte qui donne accès, notamment pour les étrangers, à la fois tout le réseau de transport en commun de l'agglomération,
plus tous les musées de Bordeaux, tout ce qui est visite, etc. Et carte 1, 2 et 3 jours. Avec maintenant une année de recul, on est la ville de France qui a le plus fort taux de vente de la carte 3 jours. Ça veut dire, globalement, et ça on l'a découvert à cette occasion, ben, qu'on est la grande ville de France, je mets Paris évidemment à part, hein, dans laquelle les gens séjournent le plus longtemps. Et pourquoi ils séjournent le plus longtemps à Bordeaux ? Certainement pas pour se balader dans le vieux Bordeaux et sur le miroir d'eau, évidemment, parce que ça, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Donc ils restent longtemps parce qu'on a énormément de choses à faire autour de Bordeaux, de découvrir des endroits merveilleux qui sont tout autour de Bordeaux, et inversement. J'ai quand même, d'abord, félicitations pour les images, elles sont très belles, elles sont magnifiques. Si je vous comprends bien quand même, Nicolas, vous êtes en train de nous dire, tout doucement mais fermement, mieux vaut oublier la personnalité du bassin, je m'occupe de vendre Bordeaux et le bassin sera vendu aussi. C'est ça, en gros, ce que vous nous dites ? Ce que je dis, c'est que sur des marchés lointains, la locomotive, le mot qui est le plus connu, c'est Bordeaux. Donc nous pensons que nous avons vocation, effectivement, et on l'a déjà fait, on commence à voyager effectivement avec tous nos partenaires, notamment le bassin d'Arcachon sur des marchés lointains, parce qu'on se vend mieux quand on est ensemble. Pour autant, la marque Bordeaux n'est en rien la négation des autres marques. Je parlais tout à l'heure, je comparais à Florence et à la Toscane. Florence et la Toscane, c'est extrêmement puissant. Pour autant, vous avez Sienne, vous avez Luc, vous avez Pise, qui sont aussi des marques puissantes. Donc, chaque marque a sa vocation. Et alors, a fortiori sur les marchés français ou européens, là, pour le coup, les marques sont beaucoup plus visibles. Sur le marché européen, je ne vends pas Bordeaux, ou sur le marché français, je ne vends pas Bordeaux en vendant le Cap Ferré. Je vends Bordeaux en vendant Bordeaux. En revanche, quand je vais en Chine, je vends Bordeaux et je vends tout le reste. Donc, en fonction des marchés, telle ou telle marque va être mise en avant. Mais chacun garde sa personnalité. Mais chacun, évidemment, garde sa personnalité. Quand Paris vend Paris, Paris vend aussi Versailles. Et pourtant, Versailles, la notoriété de Versailles est mondiale. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Le fait de voyager groupé, de se communiquer groupé sur les marques puissantes, n'est en rien la négation de la puissance de telle ou telle marque. Je vous invite néanmoins, je vous voyais cette belle photo bleue. Nous sommes parmi les finalistes d'un concours international qui s'appelle European Best Destination 2015. Si vous allez sur Internet, vous tapez l'URL que vous voyez sur cette photo et vous allez avoir affiché « Vote ». Et vous votez pour Bordeaux, puisque nous sommes finalistes parmi 20 villes européennes. Sur ces 20 villes, il y a 16 capitales. Et sur les 4 villes qui ne sont pas des capitales, il y a Istanbul, Milan et Barcelone. Donc des quasi-capitales. Donc on est un petit peu le petit poussé. En même temps, on a quand même bien l'intention de gagner ce concours et vous allez nous y aider. Merci. Merci beaucoup pour la publicité. En une minute. En une minute, Nicolas, quelle stratégie sur le web ? Comment faut-il faire ? Des liens croisés pour que il y ait d'autant plus de trafic pour Bordeaux et pour le bassin d'Arcachon sur le web ? Quelle est votre stratégie là-dessus ? Ça mériterait de longues heures de débat. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a effectivement un premier sujet. Si vous allez voir, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller voir le site internet de l'Office de tourisme de Bordeaux, bordeauxtourisme.com. Vous verrez qu'il y a une rubrique qui s'appelle « Aux alentours » dans laquelle on parle de toutes les marques que j'ai évoquées tout à l'heure, Cognac, Arcachon, Saint-Émilion, Biarritz, etc. Donc, je crois qu'on s'enrichit en parlant des autres parce qu'on s'attire mutuellement. Les touristes circulent. Et plus ils vont circuler, plus ils vont créer de la richesse. C'est ce qui nous intéresse. Ben, c'est de créer de la richesse, le tourisme. Il est là pour donner de l'emploi, pour donner de l'activité économique. C'est le premier point. Le deuxième point, attention à ne pas se tromper de combat quand on parle d'outils, qu'ils soient papier ou numérique d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut savoir utiliser les bons leviers. Il y a des marques mondiales extrêmement puissantes. Ce n'est pas des gros mots, ça s'appelle TripAdvisor, ça s'appelle Booking, ça s'appelle Airbnb et quelques autres. Bon, bizarrement, c'est tous des mots anglo-saxons, mais peu importe. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont clairement pas des ennemis. C'est des gens avec qui on a besoin de travailler. Parce que sur le réseau mondial, moi, je ne suis pas en capacité aujourd'hui de traduire l'ensemble de mon offre hôtelière en japonais, en chinois, en ouzbek, en kazakh, en portugais, et même en allemand, en espagnol. Donc, on a besoin de ces gens-là. Ils sont puissants, ils sont efficaces. Après, nous, on a une valeur ajoutée également sur le fait de créer de la séduction. Ça, c'est notre métier. Sur la commercialisation, sur les outils web, attention à, effectivement, essayer d'utiliser le meilleur là où il est. Aujourd'hui, les avis clients, moi, je ne sais pas les gérer. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a Yelp, il y a TripAdvisor. Utilisons-les. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de centrale de réservation et je ne vais certainement pas en créer une. Ce n'est pour moi pas le sens de l'histoire. Il y a des gens très puissants, Expedia, Booking et beaucoup d'autres. Utilisons ces gens-là, effectivement, pour vendre notre destination. Notre métier à nous, c'est de créer le désir de la destination avec nos outils. Ensuite, utilisons au mieux les différents réseaux pour la vente.
Nicolas Martin, amoureux de Bordeaux, bien sûr. Merci. Une locomotive économique sur le bassin d'Arcachon, la dune du Pilat. Un panache, un pavois, une marque à l'international pour tirer le bassin d'Arcachon, Bordeaux. Isabelle, ce n'est pas tout. Oui. Monsieur le député-maire, cher Alain, pour la première année, la commune d'Arcachon a souhaité prospecter le marché chinois. C'était en octobre 2014. Monsieur le député-maire, je me souviens des premières discussions à ce sujet au CIBA. Vous avez manifesté votre volonté que le bassin et la ville d'Arcachon prospectent ce marché. Certains vous ont répondu, vous croyez que c'est le bon moment. Et là, vous nous avez répondu, si on ne commence pas à prospecter maintenant ce marché, on n'a aucune chance de voir arriver cette clientèle chez nous, même dans 10 ans. Il faut bien commencer un jour. On sait que la prospection des marchés émergents est un investissement à long terme qui exige persévérance. C'est maintenant qu'il faut y aller, monsieur le député-maire ? Oui, bien sûr que c'est maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, on travaillait beaucoup sur le segment français et le segment européen. Donc, tout à fait. Et tout le bassin était mobilisé pour attirer le plus possible de Français et le plus possible d'Européens. Le travail a été bien fait. On a du monde tout au long de l'année qui vient nous voir. Néanmoins, on s'est aperçu au moment où on se parle après tout ce travail que finalement, on est à 22% hors français. 22% ouais. Simplement qui viennent nous voir. Sur 100 touristes, seulement 22 sont étrangers. Et dans ces 22%, essentiellement, ce sont des Européens. Donc on a voulu essayer de travailler sur l'international. Alors une fois qu'on a fait ce constat, dans l'environnement international, il y a plusieurs cibles, évidemment. Les Russes sont maintenant très présents sur notre territoire français. Les Indiens commencent à y venir, bien sûr les Américains de longue date, mais on a identifié, si vous voulez, la Chine pour peut-être plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en France, nous sommes la première destination au monde. On reçoit sur notre territoire national à peu près 85 millions de touristes. Les Chinois seuls, actuellement, 1,4 milliard de Chinois, ils représentent déjà 90 millions qui sortent de leur territoire et qui sont des touristes potentiels. 90 millions, c'est-à-dire que eux seuls, tout seuls, pèsent plus lourd que l'ensemble des étrangers venant sur le territoire français. Donc c'est dire qu'il y a une richesse, un potentiel extraordinaire. Et après, pourquoi les Chinois? Pour d'autres raisons. D'abord, c'est... ils ont une configuration touristique qui nous convient, où on peut bâtir avec eux des relations précises. Ils aiment les beaux paysages, nous en avons. Ils aiment l'authenticité, nous en avons. Et puis, deuxième élément, Bordeaux avait un temps d'avance sur nous et a déjà travaillé fortement sur le marché chinois. Donc, du coup, on a pensé qu'on pouvait s'associer avec Bordeaux pour essayer de bâtir une offre touristique incluant le bassin d'Arcachon, Bordeaux étant la ville. On a pensé que Saint-Émilion pouvait représenter ce vignoble auquel ils sont attachés, les Chinois, et le bassin d'Arcachon pouvait représenter le cadre de vie, le paysage, le farien, tout ce qu'ils pourraient découvrir, parce que les Chinois ne fonctionnent pas tout à fait comme les Européens en termes de tourisme. Donc on est en train de bâtir une offre très précise avec Bordeaux, Saint-Émilion et le bassin d'Arcachon. Et je suis très heureux que le CIBA m'ait suivi sur cette volonté. On y associe pas que la ville d'Arcachon, bien sûr, l'ensemble des communes. C'est tout le bassin qui va offrir ce produit aux Chinois. Donc à nous maintenant d'être bons, d'être opérationnels et de proposer un produit, un concept réel, concret, qu'on va aller vendre aux tour opérateurs chinois et à l'ensemble de la population chinoise. Alors comment fait-on pour vendre? Il faut le bâtir ensemble avec Bordeaux, Saint-Émilion et le bassin d'Arcachon pour qu'il soit concret, réel, donc en accord avec l'ensemble des acteurs du tourisme de ces trois sites, de ces trois beaux endroits. Et ensuite, nous serons présents sur un certain nombre de salons en Chine. Nous aurons des contacts avec les tour opérateurs qui ont été identifiés, qui ont la volonté, la capacité d'être opérationnels pour vendre ce produit. Il faut maintenant passer de la volonté à l'action. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Alain Vivien, qui est le directeur
de l'Office tourisme d'Arcachon, qui a des fonctions aussi dans le domaine touristique, avec vous, le CIBA, bien évidemment, et puis avec nos deux partenaires, qui sont Bordeaux et Saint-Émilion. Alain, peut-être quelques mots sur justement ce premier éductour en octobre dernier. Oui, je voudrais préciser aussi qu'il y a Jean-Daniel Terrassin dans la salle, oui, qui était l'ancien directeur général de Bordeaux. Et quand Jean-Daniel, à l'époque, me disait, il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, il faut qu'Arcachon et le bassin d'Arcachon viennent sur ces destinations émergentes qui étaient la Chine, la Russie, le Brésil, ce qu'on appelle les BRIC. Je lui disais à cette époque-là, écoute, actuellement nous ne sommes pas encore prêts, nous travaillons sur d'autres destinations, le député des maires vient de le rappeler, nous essayons de poser cette notoriété d'Arcachon et du bassin. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes et à la fois prêts individuellement sur Arcachon, on a un cœur de ville qui a été rénové, nous avons une offre qui a été aussi développée et nous avons en plus des prestataires sur Arcachon et sur le bassin qui ont aussi évolué. J'en veux pour preuve la thalassothérapie que nous avons ici, la Seule de Gironde, il est important qu'elle soit mise en avant. Nous avons demain d'autres prestataires qui vont venir renforcer cette prestation, donc nous sommes individuellement plus forts et plus forts pour aller sur ce type de marché. Et puis, vous venez de le dire, monsieur le député maire, collectivement aussi, nous sommes bien plus forts. Ce club Arcachon, Bordeaux-Arcachon-Saint-Émilion est né il y a des années et des années. Aujourd'hui, il a une véritable réalité. Il est concrètement, nous travaillons ensemble. Et puis, vous l'avez dit, le CIBA s'est associé et le CIBA représente l'ensemble de la promotion touristique du bassin et c'est à travers ce groupement d'intérêts partagés que nous sommes plus forts pour aller sur ces marchés. Alors concrètement, comment être plus fort et comment être plus représentatif? On l'a bien vu sur cet éductour, cette mission Chine auquel nous avons participé en octobre. Nous y allions d'abord pour voir comment le marché réagirait à notre offre et comment est-ce que nous étions suffisamment positionnés pour que cette offre soit concrète demain et qu'elle ait une véritable retombée sur le marché. Et là, je vais pas vous dire de banalité, mais reprendre ce qui a été dit ce matin, on s'est véritablement aperçu, vous avez vu ce petit film que nous avons diffusé, et moi j'ai vu complètement cette réalité. L'émerveillement des tour opérateurs, de la presse chinoise que nous avons rencontrée quand on leur montre nos paysages. C'est vrai, aujourd'hui, il faut les faire rêver. Ils sont demandeurs de photos, de documents, de vidéos. Et là, aujourd'hui, nous n'en avons pas assez. Je crois que ce que vient de faire le CIBA avec ces 6 vidéos permettra, en tous les cas, sur la toile, ce qu'on appelle sur le online ou le offline, et c'est important. Donc nous sommes allés faire ces démarchages et maintenant, nous devons être plus réactifs sur nos sites web pour les faire rêver. Le touriste chinois, les professionnels chinois que nous avons rencontrés, vous savez, ils sont un peu méfiants. Ils sont tellement courtisés. Quand nous étions en Chine, dans les hôtels, nous avions d'autres destinations avec nous qui étaient là pour leur faire les yeux doux. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, ils représentent une manne importante. Nous, France, nous sommes petits. Et Bassin d'Arcachon, nous sommes encore plus petits. Donc, il faut les faire rêver. Et je crois que ce que nous avons planté, les premiers jalons que nous avons plantés, devront nous permettre de pouvoir grandir avec Bordeaux. Et il est clair que tout seul, nous n'y arriverons pas. Aujourd'hui, l'association Bordeaux-Arcachon-Saint-Émilion est pertinente. Les premiers fruits tombent, puisque nous avons déjà accueilli deux tour opérateurs sur notre territoire et ils ont vu la potentialité que nous pouvions offrir. Alors il est vrai, il y a encore du travail. Ils sont demandeurs d'une hôtellerie haut de gamme. Et c'est vrai, la question qu'on me posait, combien avez-vous de palaces? Donc là, c'était un peu difficile de répondre. Mais par contre, quand on leur montrait le site de la Corniche, par exemple, tout de suite, et qu'on leur disait que ça avait été designé par Stark, pour eux, ça effaçait peut-être le fait que nous n'avions pas de palace. Par contre, quand nous leur montrons la dune, là aussi, ils sont émerveillés. Et puis, ils sont émerveillés aussi par cette qualité, ce bien-être que nous avons à leur offrir ici sur le bassin.
J'ai pu constater, tout le monde le sait, à travers les reportages qu'on peut avoir, ils travaillent, ils habitent dans des environnements pas pollués, mais où la qualité de l'air n'est pas forcément celle que l'on trouve sur le bassin. Et aujourd'hui, quand on leur parle de ostréiculture, de naissain d'huîtres, pour eux, c'est tout de suite un gage de qualité environnementale. Donc, je crois que nous avons véritablement de forts atouts pour conquérir ce marché. Alors, à titre d'information, il faut savoir que depuis cette opération, nous avons mis en place sur le site bassin-arcachon.com la petite vidéo que vous venez de voir, qui est donc avec un dialogue en chinois. Et vous avez également une plaquette d'information sur le bassin en chinois qui est téléchargeable et que vous pouvez copier et mettre sur vos propres sites. Voilà. C'est aussi l'intérêt de cet espace professionnel, c'est de vous mettre à disposition des documents dans des versions étrangères. Et l'intérêt aussi de cette clientèle chinoise, je crois, c'est qu'elle vient vraiment en dehors de la haute saison estivale. Et c'est tout l'intérêt aussi, parce que ce n'est absolument pas une clientèle qui vient pour la plage, mais pour des découvertes d'espaces naturels. Et donc, c'est vraiment l'intérêt pour nous, c'est d'être complémentaire sur les tranches de saison où on a quand même encore des difficultés. Alors, Nicolas pourrait aussi m'aider à répondre à ces attentes, parce que le marché chinois, il le connaît parfaitement aussi. Mais c'est vrai que traduire un site web en chinois, ce n'est pas seulement ce qui les fera venir. Attention, il faut être beaucoup plus pertinent dans notre démarche. C'est vrai que les menus en chinois sont importants. C'est vrai que dans les accueils hôteliers, il faudra que les personnes soient formées à ce qu'ils attendent. Mais faisons attention de ne pas être trop réducteurs dans nos actions. Vous venez de l'évoquer à l'instant, je me mets à la place d'un restaurateur, je me mets à la place d'un hôtelier, d'ici 6 mois, 1 an, voici des Chinois qui arrivent. Enchanter le client tel qu'on l'a défini ce matin, alors que les codes culturels sont différents, alors que l'altérité est différente, etc., on va faire comment? Dites-moi. C'est tout l'enjeu actuellement de ces rencontres. On en parle déjà, ça c'est important. On sensibilise à la fois l'ensemble des acteurs. Je pense que les élus sont ici aussi présents pour être sensibilisés sur les modes de transport, sur les déplacements. J'ai bien retenu en tous les cas, pas la leçon, mais en tous les cas le cours qui nous a été présenté sur les CRM. Nous avons en Gironde un système d'information touristique qui pourrait être le pendant de ce qu'est le CRM à Val Thorens. Nous sommes loin aujourd'hui de partager complètement la donnée. Donc je pense qu'il va falloir qu'on y travaille. Et puis après, il y a forcément des réponses à attendre de nos élus, puis de nos professionnels, de nos prestataires. Je crois que c'est un travail collectif parce que ces touristes étrangers, chinois, ont une demande toute particulière. Je le dis, attention de ne pas être trop réducteur dans nos actions demain en pensant que parce qu'on a fait traduire le site internet, on va aller capter la manne touristique chinoise ou autre d'ailleurs. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas, moi je dis souvent, ce n'est pas la communication qui fait le produit. Ouais. En tous les cas, ce qui est certain, et merci beaucoup de votre témoignage, vous êtes allé loin, portez-vous une parole, vous portez d'abord une image. Et cette image séduit, éveille le rêve, c'est ce que vous avez dit, et ensuite parvient à convaincre, parce qu'eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils vivent parfois sur la pollution, sur des cadres beaucoup plus dégradés, imagine à ce moment-là vraiment une vie qui est exceptionnelle dans sa qualité, telle que vous pouvez l'offrir ici à tous ces visiteurs futurs. C'est bien ça ? Merci beaucoup. Isabelle, justement, ça nous emmène droit vers l'ensemble des dispositifs, des documents qu'il faut avoir pour bien vendre le bassin. C'est bien ça que ça veut dire. Absolument. Alors, par contre, il faut revenir sur un point. Réaliser des outils, un support, on a dit que ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Que ce soit des vidéos, print, c'est facile dans le sens où nos élus votent des budgets promotion chaque année qui nous permettent de réaliser des supports. Maintenant, le plus difficile pour nous, en fait, c'est de faire savoir aux professionnels que ces supports, que ces outils existent. Et s'il y a un message aujourd'hui, le message le plus important, c'est celui-là. Tout ce qui est mis en place, les vidéos, les supports, les poches qui vous ont été remises tout à l'heure avec l'ensemble des nouveaux documents de promotion, n'ont d'intérêt que s'ils sont relayés par les professionnels eux-mêmes.
et qu'ils sont vraiment mis à leur disposition gratuitement. Alors ce constat nous a donné envie de vous présenter l'action du service tourisme du CIBA dans une version remaniée de Rendez-vous en Terre Inconnue. Je pense que vous connaissez tous cette très belle émission de Frédéric Lopez qui est diffusée une à deux fois par an avec des invités surprises qui vont dans des terres sur... Voilà, qui sont terres inconnues. Alors bien sûr, la terre inconnue ici, ce n'est pas le bassin, je ne vous ferai pas cet affront, mais c'est le service tourisme du CIBA et la tribu que l'on a appelée dans cette vidéo, la tribu Office de tourisme CIBA. Voilà, donc au lieu de vous présenter un plan d'action à façon catalogue de la Redoute, on a mis en image l'action du service et surtout la relation entre le service tourisme et les professionnels. Place à l'image. C'est ici, au sud-ouest de la France, que se cache l'un des espaces touristiques les plus atypiques de l'Hexagone. Au cœur de la beauté sauvage du bassin d'Arcachon, vivent les Otés CIBA, une communauté authentique qui a décidé d'unir ses forces pour accueillir au mieux ses hôtes. À cet instant, Frédéric Baillet, futur acteur touristique du bassin, ignore tout de cette communauté. Il sait juste qu'il a rendez-vous en terre inconnue. Je sais que j'ai rendez-vous avec une personne, ça c'est certain. Dont le prénom est Isabelle Arcachon. Voilà. Ma journée commence là. Une très belle journée, sûrement pleine de surprises et impatient de découvrir ce qui va se passer. Isabelle, je suppose. Enchantée. Enchantée, Frédéric. Enchantée de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir. Vous savez qu'on va passer toute la journée ensemble et je vais essayer tout au long de cette journée de vous faire découvrir une tribu que vous ne connaissez peut-être pas du tout, la tribu OTV CIBA, Office de Tourisme CIBA. Ça vous arrive souvent comme ça d'accueillir les gens ? Alors pour tout vous dire Frédéric, non. Par contre ici on vient très fréquemment pour accueillir des journalistes. C'est une des missions prioritaires de notre service, les accueils presse. Dans ce cadre-là, on a besoin de professionnels comme vous. C'est gentil, je suis impatient de partager ça avec vous. Et vous me parlerez aussi de votre projet. Bien sûr. On y va ? On y va. Alors Frédéric, voilà, première étape de notre journée. Je vais vous présenter Lucie, la responsable accueil de l'Office de tourisme, qui va vous présenter un petit peu tous les outils, tous les supports de promotion que le CIBA met à votre disposition, autant sur la partie présentation comptoir, mais également sur le web. Bonjour Isabelle. Bonjour Lucie. Je te présente Frédéric Baillet. Ravie. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Alors, je vais vous remettre une pochette d'accueil avec la documentation justement éditée par le CIBA, à la fois pour les activités touristiques et pour les hébergements. On va peut-être passer sur la partie web. On y va ? Allons-y. Alors, donc l'espace professionnel, donc Isabelle, tu voulais en parler ? Oui, alors dans cet espace professionnel, hein, qui est libre d'accès en page d'accueil, vous retrouvez l'ensemble des supports de promotion qui sont mis en place pour la destination, téléchargeables sur notre site en accès libre. Plus les supports sont diffusés, mieux c'est pour la destination. C'est clair. Alors ensuite, on a également sur ce portail du bassin d'Arcachon, un outil qui est en train de se développer et qui sera mis en place à partir du mois de mars, où on va pouvoir en fait proposer les disponibilités des hébergements. On n'est pas sur une centrale de réservation. Non, on est sur une centrale de gestion des disponibilités. Voilà, tout à fait. Par contre, en effet, si l'hébergeur a lui-même une centrale de réservation, en un clic, on pourra renvoyer vers sa centrale de réserve. Et quelque part, c'est contourner une centrale de réservation. On va avoir le même principe pour les réservations, groupes ou autres, avec un lien direct. Exactement. Voilà, donc ça, c'est un outil vraiment essentiel pour l'ensemble du bassin d'Arcachon. Bon, Frédéric, maintenant on va rencontrer une professionnelle de l'hébergement qui souhaite se faire labelliser naturellement bassin. Mais avant, on va s'arrêter au port de la Rosse à Gujan-Mestras devant la maison d'huître pour que je puisse vous présenter le Wi-Fi territorial, un accès Wi-Fi gratuit que l'on a mis en place pour la clientèle touristique. On y va ? On y va, c'est parti. Donc Frédéric ? Voilà une borne de Wi-Fi bassin d'Arcachon. Il y en a 50 qui ont été installées comme celle-ci en 2014. Il y en aura 70 en 2015 pour créer vraiment un maillage numérique du bassin d'Arcachon. On rentre un peu pour que je t'explique ? Oui, et puis j'en profite pour la tester. Bien sûr. Bon, on va s'installer par là. Eh bien voilà,
Parfait, une carte du bassin pour parler du Wi-Fi bassin d'Arcachon. Et pour comprendre. Et pour comprendre. On peut l'essayer. On peut. Et voilà. Très bien. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre adresse mail. Et demain, si vous allez, nous sommes à Gujan, demain, si vous allez à Andernos, à Arès ou Lèche-Cap-Ferré, dans l'une des 10 communes, la votre téléphone se fera automatiquement. Très bel endroit reposant. C'est vraiment beau. Hein. Frédéric, départ pour Andernos-les-Bains. On continue. Bonjour madame, c'est Sylvie Utillac. Bonjour. Frédéric Baillet. Merci, on va faire connaissance. Alors, donc, vous avez rencontré l'office de tourisme d'Andernos pour le label Naturellement Bassin, donc on ne va pas y revenir. Je voulais juste voir un petit peu avec vous, qu'est-ce qui vous a amené à demander la labellisation Naturellement Bassin ? Parce que je suis une amoureuse du bassin d'Arcachon. Moi, c'était évident, quand vous m'avez parlé de ce label Naturellement Bassin, d'avoir cet esprit-là et de le transmettre à mes clients. C'était un petit peu l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui avec Frédéric, pour que vous puissiez aussi échanger entre nouveaux professionnels. Pour moi, c'est une journée surprise. Ah ouais. C'est une journée découverte. Je suis arrivé à la gare ce matin, on m'a pris en charge, je me laisse véhiculer, j'arrive chez vous, un endroit magnifique. Et puis le dialogue me plaît bien, puisque bon, ce que je trouve intéressant, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'une des genèses du projet est vraiment de respecter cette identité bassin et de partager avec les professionnels, peut-être des clients que vous aurez, qui viendront chez vous profiter de votre lieu et qui en complément, ben, demain, souhaiteront profiter du catamaran ou venir faire un tour sur notre bateau. Au niveau du partenariat, moi je suis tout à fait dans cette optique-là. C'est-à-dire que je veux travailler qu'avec des partenaires du bassin d'Arcachon. Ouais, tout à fait. Et si le client sent qu'il y a vraiment un travail de réseau, que les gens aiment et partagent leur profession ensemble sur un territoire, forcément l'accueil est différent. Frédéric, la visite continue pour nous. Maintenant, on part rejoindre la tribu. La tribu. Ote Siba, mais plus particulièrement Siba. Les fichiers, on va pouvoir les donner d'ici la fin de semaine. Je pense qu'on va être bon. Bonjour. Je vous présente Frédéric, donc, qui va prochainement exploiter le Côte d'Argent sur le bassin. Mm-hmm. Voilà la tribu Siba. Elles sont en train de travailler apparemment donc, sur la finalisation du guide, un nouveau guide, l'ABC du bassin. Oui, c'est ça, ABC du bassin. C'est un document qui a été en fait, demandé par les professionnels du tourisme du bassin pour identifier en fait les bons plans à présenter à la clientèle touristique. Mais ça, c'est une partie de mon travail. Je m'occupe surtout en fait plutôt du réseau des offices de tourisme et du réseau des professionnels pour fédérer tout ce petit monde autour de l'esprit bassin. Sans vous déranger, parce que là, vous êtes apparemment en pleine séance de travail, qui s'occupe de la partie numérique C'est moi. Je m'occupe donc de tout ce qui est promotion touristique de la marque Bassin d'Arcachon sur Internet. Donc l'objectif premier, c'est vraiment de développer une visibilité multicanale. On a aussi l'animation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plus de 16 000 fans sur la page Facebook. Donc vous, en tant que professionnel, il est important de partager avec ces fans-là, d'aimer la page, de partager vos offres, d'aimer les commentaires. Et le numérique, c'est vraiment essentiel aujourd'hui et il faut qu'on y travaille tous dessus. Je partage. Alors Frédéric, ce matin, on a visité un bien naturellement bassin, mais habituellement, c'est Myriam qui se déplace sur la labellisation. C'est Myriam qui gère tout ce volet labellisation. Mais là, elle était particulièrement sur l'envoi des invitations pour les rencontres du tourisme. Exactement. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de toute la logistique du service. Et comme vous l'a dit ce matin Isabelle, lors d'accueil presse de journalistes, je m'occupe de toute la logistique afin d'essayer qu'il soit le mieux accueilli possible. Et là, en ce moment, plus particulièrement au niveau des rencontres, de l'envoi de toutes les invitations afin que nous ayons le plus de monde possible. Très bien. Alors maintenant, Frédéric, on va terminer avec Brigitte. Qui apparemment, Brigitte, finalise le guide, c'est ça? Exactement. Donc je suis actuellement en train de finaliser le guide qui doit être prêt pour les rencontres du tourisme. En avant-première, donc voilà la couverture du guide 2015. Donc il sera distribué, enfin édité à 130 000 exemplaires et distribué chez tous les professionnels du bassin ainsi que dans les offices de tourisme. Une belle journée avec beaucoup de surprises, une journée très enrichissante, une belle tribu. Un nouveau regard sur le bassin et un nouveau regard sur les possibilités qu'offre le bassin malgré déjà toutes les pistes explorées. Isabelle. Frédéric, au plaisir. Merci à toute la tribu. À bientôt. Merci à vous. La tribu Ote Siba travaille sur la campagne publicitaire 2015
la moitié du budget promotion du CIBA est consacrée à l'achat d'espaces publicitaires pour développer l'image et la notoriété de la destination, Bassin d'Arcachon. Alors, à suivre, les vacances connectées, la consommation collaborative, le procès des accusés du bassin. Donc, rendez-vous dans 10 minutes pour la deuxième partie de votre grand journal. Juste avant qu'on se quitte, retenez bien ceci. Nous sommes partis sur l'enchantement du client, sourire et rythme. Ceci nous a emmenés avec Grégory sur le CRM. C'est un robot qui, avant, pendant et après, stimule la fidélité du client. La fidélité, c'est aussi l'existant. Dans l'existant, vous avez la dune du Pilat et pour le lointain, un allié puissant, Bordeaux. Au-delà, une mission vers la Chine. Attention, il faudra vous préparer à accueillir ces nouveaux clients. Ce sont des Chinois. Préparez-vous à les enchanter. À tout à l'heure.